Bon, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout Rouyane quand on me fait le mystère comme ça. Donc, je te mets au pied du mur, je vais l'appeler. Ah ben oui. Première fois, on n'est pas en web, ça, vous inquiétez pas, on est sur en toute intimité. Mais on va appeler Laurie. Allez hop. Tu stresses. Ta-ta-ta, musique suspense. Alors, ça sonne. Ah. Oui. Laurie ? Oui. Bonjour, c'est Sam à l'appareil. Salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Oui, parfaitement bien. Écoute, je suis en pleine interview en toute intimité en ce moment même avec Rouyane, hein, donc des princes de l'amour. Okay. Et forcément, tu te doutes, tu te doutes qu'on parle de toi, poulette. Ah, c'est sympa ça. Je t'ai pas dit si on a parlé en bien de toi. Ah, je sais pas, je verrai alors. Non, je plaisante, bien sûr. En bien, en tout cas. Bien sûr qu'on parle en bien de toi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te passer Rouyane. Et comme je le sens un petit peu gêné quand je lui pose des questions par rapport à toi, je vais te laisser répondre également, d'accord? D'accord, ok, pas de souci. Allez, je te le passe. Allô? Oui, bonjour, enchanté. Oui, enchanté. Comment ça va? Ça va être fin. Ouais, nickel. Bon, les amis, Laurie, Rouyane, ne faites pas comme si vous ne vous connaissiez pas. Laurie, j'étais en train de demander, à Rouyane si Florence pourrait faire de toi sa belle-fille quelque part. Ah, et il a répondu quoi? Eh ben, tu sais quoi, je vais te laisser répondre toi. Alors, je sais que Florence, au début de l'aventure, elle m'aimait beaucoup avec Louise. Et elle m'avait dit qu'elle aurait préféré que ce soit Louise et moi qui seraient venus pour son fils. Donc Florence, la maman de Rouyane, elle a eu un petit coup de cœur pour toi, on est d'accord? Oui, je pense. Après, je vais pas m'enflammer non plus, mais oui. Et on est d'accord, Laurie, que tu m'as confié que Rouyane était totalement ton style et que tu regrettais d'être venue même pour Adrien. Ah oui, mais totalement. Mais ça, j'ai dit dès le début. Dès le début dans l'émission, ça se savait un peu de toute façon. Alors, oui. Si tu devais faire une petite déclaration, allez, gentillette à Rouyane en lui disant ce que tu penses de lui. Vas-y, je te laisse 30... Allez, viens, on le met mal à l'aise. Je te laisse 30 secondes pour nous dire ce que tu penses de lui. Rouyane, c'est un garçon exceptionnel, avec beaucoup de valeur, très beau. Il me fait rire, il est joyeux. Et voilà, c'est une personne merveilleuse. Après, je suis pas très forte pour ça, moi, mais bon. Non, mais c'est déjà très beau. Ça te fait quoi, Rouyane, d'entendre ça? Bon, arrête-toi, tu vas me faire pleurer, là. Ben oui. Moi, ça me fait vraiment plaisir de ce que tu penses de moi. Moi, je pense la même chose pour toi. Tu es une fille très gentille, très jolie, qui a toujours le sourire. Tu as ce respect-là, malgré qu'on t'a critiqué. Mais ensuite, voilà, après, tu es tel comme tu es. Je te connais à peu près. Voilà, comme tu es venu chez moi, voilà, on a un peu discuté. Donc, ça fait énormément plaisir. Et puis, on verra bien par le temps. Est-ce que vous comptez vous revoir? Est-ce que vous comptez vous revoir, les deux petits tourtereaux, là? Ouais. Okay. Est-ce que vous êtes ensemble? Ah. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Bah alors, je sais que vous pouvez pas me dire si vous êtes ensemble, mais vous vous appréciez? Énormément. Ouais. Vous vous manquez? Ah oui. Ah bah oui, moi il me manque tout le temps. J'étais bien quand j'étais chez lui. Bon, ah, tu ça sais, fait plaisir ça. Tu sais quoi, ma petite Laurie? La prochaine fois que tu viens sur Paris, on fait une interview avec tous les deux parce que je sens qu'il y a matière à creuser, d'accord? Ah, pas de souci, Sam. Eh ouais, je l'entends dans ta voix, femme amoureuse, femme sourieuse. Ça ne rime pas, mais c'est pas grave. Allez, Rouyane, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse dire au revoir à Ariel, la petite sirène. Je te fais des bisous, ma petite Ariel, et on se capte. On se capte, gros bisous. Allez, gros bisous. Gros bisous, Laurie, bye bye. C'est beau ce qu'elle a dit de toi. Ouais. C'est mignon, ça te touche ou pas? Ouais, ça me touche énormément parce que c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Donc ça va, elle m'a fait une petite déclaration, donc ça va, c'est mignon. Bon ben, au moins tu sais que la porte, elle est entrouverte. Voilà. Et que tu as juste à prendre ta main droite. Attention, n'allez pas voir les choses... attention, regarde. Non, 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 tu as juste à prendre ta main droite pour ouvrir la porte. Et peut-être qu'un magnifique avenir vous attend.